Bonsoir à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des abandons qui ont eu lieu sur la route du Critérium du Dauphiné, donc sport cyclisme, le Critérium qu'on suit en intégralité sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos résumées et également avant-course, présentation des étapes, tout simplement dans une playlist qui s'appelle Critérium du Dauphiné, tout simplement sur ma chaîne YouTube. Et donc, on va suivre aussi également le Tour de France qui va pas tarder à arriver. Très gros événements sportifs, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification pour suivre tout cela. Donc on va parler des abandons qui ont eu lieu sur l'étape 4, et il y en a eu un bon nombre, et des abandons qui sont pas des moindres. On a eu d'ailleurs le cas Egan Bernal, on va commencer par lui, qui était tout simplement troisième du général et qui a été non partant à l'issue de l'étape 4, tout simplement parce qu'il avait été il est blessé au dos apparemment. Donc, bon, cet abandon est assez surprenant parce que Egan Bernal, on l'a vu pas très en forme hier. Il devait certainement être déçu, lui qui comptait vraiment arriver sur le critérium pour se mettre en confiance pour le tour et donc possiblement gagner. Je pense qu'au niveau mental, ça a dû un peu lâcher. Il avait peut-être quelques douleurs au dos et donc il a décidé de ne pas partir. Ce qui est aussi assez bizarre, c'est que il a été croisé sur les routes, tout simplement, à côté du critérium du Dauphiné, en train de s'entraîner tout seul ce matin, notamment. Et donc il peut encore rouler, mais il voulait pas faire cette étape 4, tout simplement. Donc, est-ce que c'est parce que il veut se préserver pour le tour et essayer de se rentraîner parce qu'il voit qu'il n'a pas encore le niveau? Ou est-ce qu'il était trop blessé pour se risquer à faire l'étape? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pédalé, donc ça reste assez flou pour cette histoire-là. Donc, le cas Egan Bernal reste en suspens. Mais en tout cas, on va voir ce qu'il donnera au Tour de France, qui est son objectif quand même. Lui qui a remporté, je vous le rappelle, l'année dernière, le Tour de France. Donc, pas la grande forme pour Egan Bernal, ce qui n'est pas le cas de Primoz Roglic, l'actuel leader du Critérium du Dauphiné. On a eu également d'autres abandons notables. Emmanuel Burman, l'allemand de la Brands-Groe, qui était. Non, c'était lui qui était troisième, Burman. Bernal était septième. Petite erreur de ma part. Burman, lui, était troisième et lui a abandonné sur chute. Hein. Il a chuté lors de cette étape 4 et malheureusement, il n'est pas reparti. On a eu beaucoup de Brands-Groe qui ont chuté. Gregor Mühlberger, qui a abandonné aussi, et Andrea Schillinger. Donc ça fait quand même beaucoup d'abandons de côté de cette équipe, qui a quand même remporté la dernière étape avec Lennard Kamna. Donc ça va compenser un petit peu ces mauvaises nouvelles. Antoine Duchesne pour la FDJ a abandonné. Un abandon notable aussi, c'est Steven Kruijswijk qui est un gros équipier très précieux pour Primoz Roglic qui a abandonné également sur chute. Donc ça fait beaucoup de chutes lors de cette étape. Pourtant il n'y a pas eu de puits, mais c'était tout simplement une étape assez escarpée avec des descentes parfois dangereuses, parfois sinueuses les descentes. Donc là ça a causé quelques problèmes. André Greipel a également abandonné. Nils Polite aussi, donc Israël Startup qui a eu deux abandons lors de cette étape. Jels Vallès aussi a abandonné et Jérémy Bellico, un peu moins connu pour la Circus Wanty Gobert. On a eu d'autres abandons hein, à signaler tout au long de ce critérium. Il y en a eu pas mal au final. Hein. Quand on en compte, là, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ça fait quand même beaucoup et on n'a pas encore fait la dernière étape. Donc 20 abandons, c'est quand même notable sur une semaine. Par exemple, dans un Tour de France, les années où il n'y a pas trop de chutes et pas trop d'abandons, on peut être autour des 20-25 abandons. Donc là, sur la Critérium du Dauphiné qui dure une semaine, donc 3 fois moins longtemps que le Tour, c'est quand même assez notable. Donc voilà pour cette vidéo spéciale abandon où on a parlé des cas des leaders, Burman, Bernal notamment et Kruijswijk. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo un petit peu spéciale, voilà. Une vidéo bonus, on va dire, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Et on se retrouve demain pour l'étape 5, dernière et ultime étape du Critérium du Dauphiné qui finira le classement général, tout simplement. Allez, ciao!